Du coup, on le voit suivre en direct. On va se retrouver dans un instant. Salut tout le monde. C'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est Hervé Matou pour vous faire vivre ce match. Toujours bien sûr avec Pierre Ménès. Et au programme aujourd'hui, un match entre deux équipes du même groupe. Un duel plus qu'intéressant. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, tu prenais clairement le chemin du but. Allez, il faut s'appliquer sur ce corner, car cette équipe risque d'avoir peu d'occasion aujourd'hui. Ouais, il arrive gardien, sans souci. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Ruben. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Deux buts lors de son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon plus haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Ouverture, ah, excellente passe. Particulier qui ne s'improvise pas. Les Pays-Bas qui mènent au tableau d'affichage. Les Néerlandais qui s'approchent de la zone dangereuse. Qui donne de nouvelles consignes à sa défense. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Gullit essaye de trouver la faille. C'est quelqu'un pour l'aider. Attention. Oh, c'est repoussé par le bon temps. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ouais, très bon coup franc. Ce match tourne à leur avantage. Et la passe qui sort en touche finalement. C'est contré par le défenseur, dommage. On cherche la faille par la défense adverse. Peut-être. Voilà, la défense a repris le 2. Ah oui, c'est bien fait ça. Non, ça ne donnera rien au final. Ah, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Frappe. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer.
Le ballon est sorti, ce sera une touche pour les Pays-Bas. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Il repique dans l'axe. On cherche des solutions là. Il faut pas trop laisser l'espace aux Pays-Bas. Allons en profondeur. On cherche une solution. Oh, magnifique! Le gardien qui s'interpose. Attention à ce corner. Et le ballon qui heurte la transversale et qui sort. Oh, le gardien qui peut pousser un grand ouf de soulagement. Eben. Allez, c'est la mi-temps et cette équipe qui est en train de. L'ouverture. Mauvais dégagement, mal fait. Il faut trouver une option disponible. Oh, c'est contré ce tir. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. C'est pour Kluivert finalement. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Ah, c'est une perte de balle. Nous cherchons des solutions là. Cherche le premier poteau. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Bien tiré, bien tiré. C'est ça. Et l'arrêt du gardien. Les supporters qui chantent, qui veulent montrer qu'ils sont là également. Ils savent que les joueurs sont en train de donner le max hein, sur la pelouse. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. On cherche une solution là. C'est en profondeur. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Un ballon pour l'adversaire. On cherche une solution. Ah, la frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir. Ils ont été tôt. Ah oui, ils cherchent un partenaire dans la profondeur. Centre long au second poteau. Un ballon qui est dégagé. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Et aussi peu d'occases et qu'en plus on n'est pas efficace, ben les joueurs adverses prennent confiance. Et vos coéquipiers peuvent se décourager. Il va falloir quand même qu'ils se réveillent. Il nous reste
reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. On avait prédit un match facile pour cette équipe, on ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux, malgré l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Oh, c'est bien donné en profondeur. En position idéale pour centrer, Van Dijk pour éloigner le centre. La fin du match à l'instant et l'équipe visiteuse qui s'impose donc à l'extérieur, qui repart avec les 3 points. La différence était très nette sur la pelouse, elle est aussi au tableau d'affichage. Quand ces gars-là sont en confiance, comme